Bonjour à tous, c'est Matt du 29 et donc on se retrouve aujourd'hui sur Car Mécanique et donc on va tout simplement. Alors, il y a des problèmes au niveau de ce moteur. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va démonter tout ce qui est boîte de vitesse. Et puis on va sortir le moteur de son emplacement. Alors il y a un turbo, donc du coup. Comme il y a un turbo. Pour le tirer, on va le tirer parce que sinon on pourra pas tirer le moteur. Après, tant que la voiture est en haut, elle m'en fait la vidange. Alors maintenant. Alors, il faut tirer. Pour tirer la boîte, il faut tirer les roues et après les cardans. Tac. Du coup, l'arme de transmission et la boîte. Faire la mettre sur mettre le moteur sur le support que de la laisser sur la voiture. Bon, maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir tirer le moteur. Alors, est-ce qu'il y a des pièces qui se sont révélées? Non. Ouais, mais en fait, je sais pas pourquoi je le tirais. Bon, tant pis, maintenant c'est là-dessus. Alors. Il y a celle-ci, celui-ci et deux bobines. Celui-là parce que celui derrière est mort. Il n'y a pas de bougie à remplacer. Donc, une pièce en mauvais état. Normalement, c'est 88. Non, 53. Donc, bon. Voilà. Alors, celui-ci, maintenant, c'est bon. Bah, du coup, je vais pouvoir mettre celui-là aussi. Alors, il nous faut racheter deux bobines, une rampe, deux bobines, une rampe et puis un filtre. Celui-ci, je crois qu'il y a celui-là aussi. Ouais, tous les coups, il doit y avoir celui-là.
Alors celui-là on va le remettre. Et celui-là, bah, il est mort. Boîtier papillon. Alors, boîtier papillon. B. Donc le R4. Duc. Alors, à mon avis, celui-là doit être mort. Hop, le couvercle et le filtre. Bon, celui-là est bon. Alors, non, à racheter. Donc le filtre c'est bon, ça c'est bon. Couvercle de filtre à air. Et j'ai cru voir aussi ici. Non, je crois qu'elle est plutôt ici. Voilà. Ok. Bah du coup celui-ci on va le récupérer. Alors avant de remettre, on va remettre le filtre et son couvercle. Tuc. Tac. Hop. Et hop. Bon maintenant. Tant qu'on est là-dedans. On va remettre de l'huile là. On va relever la voiture. On va remettre tout ce qui est boîte de vitesse. Et transmission. Ok. Hop. Ok. Alors, la transmission. Tout neuf. Pareil de l'autre côté. Ensuite. Pour mettre le démarreur et le turbo. Alors, ça c'est fait. Pompe à carburant qui est derrière. Donc, celle-ci normalement on doit pouvoir la réparer.
100%. Et touc. Bon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Suspension et frein. On va peut-être commencer par le devant. Tiens. Alors, celle-ci à enlever. Celui-ci à enlever. Alors, ça c'est mort. Ça je sais pas, mais de toute manière, si c'est mort, mais il a celui-ci à enlever, donc de toute manière, fallait l'enlever. Ici, pareil. Bon, alors ici, les suspensions sont démontées. À réparer, nous avons rien. Donc c'est niveau 45 le prochain niveau qu'on puisse qui nous permettra de merde. De pouvoir faire ça et ça. Bah, du moins celui-là. Et après niveau 50 pour débloquer tout. Pour être pour avoir de la chance quoi. Expérience là pour l'instant. On est jusqu'à là. La prochaine fois, c'est celui-là. C'est on a instantanément 20 pièces qui sont inspectées. Alors, ici, et bon, on va acheter alors déjà en suspension deux amortisseurs avant. Une biellette de barre stabilisatrice avant. Oh. Deux cap de coupelles d'amortisseur avant. Oula. Et deux ressorts avant. Donc ça, il y en a deux. Ça, il y en a deux. Non, une. Tant pis. Deux. Et deux. Je vais quand même en garder qu'une. Manière 64%, ça passe au niveau du truc. Deux disques de frein ventilé et deux étriers et un étrier puis une plaquette. Ouais, deux plaquettes. Donc ça, il en faut deux. Un. Deux. Tant que j'y pense. Tout ce qui est ABS, c'est mort. Alors, si on a de la chance, ils sont pas trop abîmés pour qu'on puisse les réparer au niveau des habits cassés. Donc, du coup, on a le module. Module et pompe. Le cylindre, il est comment? Non, il est bon. Donc du coup, pour le coup, maintenant, eh ben, on peut se réparer celui-là. Ben, le remettre en place surtout. Alors, ça, c'est mort. Ça, c'est mort. Bon, maintenant. J'ai les suspensions à remettre.
Oui, mais avant il faut les remettre en plat, il faut les remonter avant. Hop. Encore 3 niveaux et on est au niveau 45. Ce qui nous permettra d'augmenter, de passer deux trucs. Non, un truc seulement. Bon. Allez. Peu importe si je me suis là d'un côté ou de l'autre. De manière. Tout est à changer. Donc ça, c'était pour les suspensions. On va passer au frein, tiens. Alors, disque de frein ventilé, plaquette, étrier et roue. Hop. Ok. Touc. Hop. La roue. Et donc on passe derrière. Bon là les freins c'est pareil. Hein. Par contre, c'est l'autre côté que ça a pris, la suspension. À mon avis, on va devoir soulever. Alors ça, c'est mort. Ça, je pense aussi. Ça, c'est à enlever. Et celui-là, pareil. Est-ce qu'il y a d'autres pièces? Ouais, bah à mon avis il y a des biellettes de suspension, des conneries. Alors, ce qu'on va faire, celle-là est bonne. Non, pardon, celle-ci aussi. Roulement peut-être. Ah ouais, bah tiens. Super. Non, celui-ci est bon. Mais comment là? Non, c'est bon. Par contre, ce que j'ai pas fait, c'est que j'ai pas regardé le roulement ici. Oh, il est bon. Il est bon. Oui. Alors voilà, quand on sépare quelles pièces sont mortes,
Alors après, la meilleure chose, c'est quand même de faire les tests routiers. Ça permet quand même de voir qu'est-ce qui va vraiment pas. Donc 53% ou 54% comme on veut. Cassé. Donc, ce qu'on doit racheter. Amortisseur arrière A, de barre stabilisatrice arrière et un roulement. Ça. Alors le roulement. Non. Et ça. Deux disques de frein, un étrier, deux plaquettes. Voilà. Non, on va remonter déjà ce qu'on peut. Puis après. Je pense que le mieux c'est d'aller faire un test sur route quand même pour qu'on ait accès à toutes les pièces qui sont mortes et faire aussi un essai sur banc d'essai sur le banc aussi pour voir un peu qu'est-ce qui va pas. C'est les mêmes roues que ce soit devant ou derrière, donc on peut les intervertir, il n'y a pas de souci. Allez, on va remettre ça en place. C'est vrai que je sais pas pourquoi je fais pas les tests. Je devrais. Hein. Ça permettrait d'éviter de chercher pendant 3 heures. Parce que là, je suis sûr qu'il manque des pièces. Alors, ce qu'on va faire. Banc d'essai. Yep. C'est parti. Alors ça va pas être les freins parce que maintenant que je les ai changés, normalement ils sont bons. Par contre, ça peut être les suspensions. Et ça, on va le voir tout de suite. Alors, suspension avant. Pour l'instant, ça veut rien dire les tests. C'est qu'à la fin, au résultat, qu'on saura qu'est-ce qui a changé ou pas. Non, bon, ouais. Mais par contre, nous, du coup, celle-là, je vais la remettre sur le plan B. Et puis, on va tout simplement se dire à tout à l'heure, en début d'après-midi, pour le deuxième épisode sur Car Mécanique. Donc, on se dit à tout à l'heure.